Là, aujourd'hui, le gouvernement est au pied du mur parce que les gouvernements successifs, et pas seulement ceux d'Emmanuel Macron, les gouvernements successifs n'ont pas fait les réformes structurelles qui nous permettaient de gagner en compétitivité bien dans le pays. Aujourd'hui, on se retrouve sans aucune marge de manœuvre et dès qu'il y a un grain de sable dans le système international, parce que malheureusement, on en est très dépendant, on se retrouve au pied du mur, on ne peut plus rien faire. Donc, on se retrouve avec des rustines de pouvoir d'achat. On va faire, les Français ne demandent pas l'aumône, ils demandent juste à pouvoir bosser, vivre dignement de leur travail, et pouvoir avoir une vie digne. Mais ça, c'est des réformes structurelles, encore une fois. Dépenser moins le train de vie de l'État, c'est pas simplement. C'est pas un slogan, la réduction du train de vie de l'État. Tous les pays européens l'ont fait. L'Allemagne, la retraite. Tous les pays européens l'ont fait. Et nous, on a reculé pour ne jamais sauter. Mais à un moment, le mur est trop haut.